Hello à toutes et tous et bienvenue dans cette vidéo consacrée à Wolsen. Voilà, j'ai terminé le jeu, hein. Il y a quelque temps, je me suis amusé un petit peu au niveau du endgame, hein. Donc maintenant je vais vous faire une petite vidéo avis sur ce que j'ai un petit peu pensé du jeu. Ça va pas être vraiment une vidéo avis, hein, comme je l'ai construit dernièrement sur la chaîne, hein, mais c'est vraiment voilà une vidéo où je vais sans filtre vraiment vous donner mon point de vue sur ce titre. Alors on va commencer tout de suite, hein, par l'aspect graphisme, hein. Je trouve que le jeu est vraiment relativement beau. Les décors sont assez variés, le jeu nous fait voyager, les effets de lumière sont vraiment pas mal foutus, les monstres sont assez variés et claque pour certains, ils sont vraiment cool, même si c'est fortement inspiré de jeux comme Diablo 3 ou Path of Exile. Je trouve que le jeu clairement fait le taf à ce niveau-là, et c'est un plus pour moi parce que voilà, j'aime bien les hack and slash. Et le dernier que j'avais fait, c'était Warhammer Chaosbane, qui était vraiment très mauvais, enfin que j'ai trouvé vraiment mauvais. Et pour ma part, bah, ce Wolsen m'a assez surpris au niveau de sa direction artistique, et pour moi, c'est vraiment un plus au niveau du jeu. Alors, ce que j'ai beaucoup aimé aussi dans Wolsen, hein, c'est toute la partie sound design, les musiques, je trouve qu'elles sont vraiment épiques. Elle renforce très bien l'immersion au niveau des combats. On est clairement dedans, il y a de l'épique. Moi j'ai trouvé vraiment ça très très bien. Même les effets sonores des sorts sonnent relativement bien. Hein. On ressent les impacts à travers le son. Et pour moi c'est vraiment un point positif de ce jeu. Alors au niveau de la personnalisation, je trouve le jeu vraiment très sympa. Hein. Il y a quand même pas mal de loot, on tombe sur pas mal d'objets. Le craft est quand même assez limité, hein, clairement. Ben, pour le moment, c'est juste voilà des personnaliser certaines affixes sur les pièces de stuff. Donc, je pense qu'on peut aller beaucoup plus loin à ce niveau-là. Par contre, je trouve l'art de talent vraiment très très bien. Hein, le fait de pouvoir commencer par une classe et pour finir directement se dire, ben non, j'ai envie d'utiliser par exemple un épée à une main ou un arc de l'autre côté pour switcher. Enfin, on sait faire. Il y a plein de possibilités à ce niveau-là. Le fait d'avoir la volonté et la rage sur la même barre permet vraiment une multitude de gameplay différents. Et ça, c'est plutôt cool. C'est vraiment un plus, je trouve, au niveau de ce hack and slash. Alors, on a aussi des points de compétences à distribuer, ce qui est plutôt pas mal. Ça permet vraiment, voilà, de donner de l'importance à, par exemple, de la férocité et ou augmenter sa robustesse. Voilà, on peut un petit peu varier les plaisirs, j'ai envie de dire, et personnaliser vraiment son avatar comme on en a envie. Donc ça, c'est plutôt très sympa aussi. Alors, au niveau de la campagne, j'ai beaucoup aimé l'histoire, hein, je l'ai trouvé assez sympa. Clairement, je me suis bien amusé. C'est pas une histoire qui va voilà vous hanter ou qui va ou que vous allez retenir pendant des années, hein. C'est assez basique, c'est assez classique, mais ça fait assez bien le taf pour ce genre de jeu, je trouve. Le jeu s'est fait en 3 actes, hein. Il faut compter plus ou moins entre 10 et 15 heures pour terminer le mode histoire. C'est pas énorme, c'est clair, mais bon, le jeu, pour ma part, je l'ai payé 30 euros et je trouve que pour 30 euros, c'est un jeu qui fait clairement le taf au niveau de son histoire. Alors, comme tout bon hack and slash, hein, le jeu commence quand on termine la partie campagne. Et là, pour le endgame, on a vraiment un système qui est pas mal du tout, notamment au niveau des villes, où on va devoir rénover, entre guillemets, nos villes, hein, rénover des bâtiments, ce qui va nous donner des bonus en plus, comme par exemple obtenir de l'or, envoyer des espèces d'expéditions pour récolter de l'argent et des ressources, récupérer un point de talent, débloquer la dernière forme apocalyptique au niveau du jeu. Voilà, toute une série de choses qui sont vraiment pas mal, c'est assez fun. Par contre, il va falloir farmer un max pour pouvoir clairement tout débloquer. Alors au niveau du endgame, on a aussi un système de paliers, hein, donc chaque fois qu'on va réussir une faille qui se découpe en 3 niveaux, on va pouvoir passer à la faille supérieure. Donc si je fais pour donner un exemple concret, si je fais une faille du niveau 85 et que je réussis les 3 paliers de la faille, j'ai accès à la faille suivante de niveau 88 et ainsi de suite, ça va jusqu'à 189 je pense. Donc c'est pas mal du tout, clairement, pour du endgame, je trouve ça assez correct, en tout cas pour un jeu qui vient de sortir, pour un hack and slash qui vient de sortir. Maintenant, des jeux comme Diablo ou comme Path of Exile, à leur sortie, n'avaient pas un game aussi fourni que celui de Wolsen, bon, qui reste encore très limité maintenant, hein, qui est encore très limite. Mais bon, le jeu est encore en développement, donc j'espère le meilleur pour la suite. Et on a aussi un système de failles où on va simplement récupérer une pièce d'équipement, un peu d'expérience et de la productivité pour augmenter nos bâtiments. Alors, ce qui est très sympa aussi dans Wolsen, hein, c'est la forme apocalyptique, hein, donc on tue les monstres, une jauge augmente, comme celle-ci est pleine, on n'est pas obligé d'attendre autant qu'elle soit forcément pleine, mais on peut lancer une forme qui est assez balèze et qui nous permet vraiment de survivre parfois ou de nous sauver les miches, hein, donc c'est plutôt cool. C'est une espèce de
de petits raids, et en même temps ça fait pas mal de dégâts vu que voilà on ne meurt pas sous cette forme, en tout cas moi je ne suis jamais mort sous cette forme, et donc c'est plutôt sympa, je trouve que ça apporte un petit plus au gameplay. Malheureusement le jeu souffre de très très gros défauts et on va en parler tout de suite, hein. Donc le jeu souffre d'énormément de bugs en tout genre. On reste bloqué dans les décors, on reste bloqué dans l'onglet des coffres, hein, qui ne veut plus se fermer. Il y a aussi parfois des crashs, j'en ai eu pas beaucoup, j'en ai eu que deux, mais ils sont quand même là et il faut quand même les signaler. L'arbre de talent est aussi buggé, il y a des points de compétences qui ne fonctionnent pas. Il y a aussi pas mal de déconnexions, même si ça va beaucoup mieux ces derniers jours, je trouve. Au début, il y en a eu quand même pas mal, mais bon, les choses se sont réglées. On va dire que voilà, c'est les aléas d'un lancement d'un jeu en ligne, mais bon, voilà, c'est aussi quand même à signaler. Alors, un petit truc que je trouve dommage aussi, c'est au niveau du level design des niveaux, hein. Clairement, on est quand même sur des maps couloirs avec quelques petits embranchements, en tout cas au niveau du mode histoire. Bon, c'est pas très transcendant, hein. Clairement, moi j'aime bien les grandes maps où on peut explorer. Wolsen ne nous pousse pas à l'exploration, malheureusement. Et ça, je trouve ça vraiment dommage. Et ça m'ennuie un petit peu parce que, voilà, dans le hack and slash, ben voilà, le gameplay est là, hein, dans Wolsen. Clairement, on s'amuse. C'est un des points positifs aussi, c'est au niveau de ce gameplay, c'est explosif, on ressent bien l'impact des coups et tout ça. Donc pour moi c'est la force du jeu. Malheureusement, ne pas pouvoir explorer, trouver des lieux, avoir des attractions avec des PNJ, mais ça manque clairement. Maintenant dans les failles supérieures, une fois qu'on a débloqué le mode champion, ben, les maps sont un petit peu plus ouvertes. Mais bon, voilà, rien de bien transcendant. On retrouve souvent aussi le même schéma de map et ça c'est un petit peu dommage aussi. Alors un truc que je trouve un petit peu dommage dans Wolsen aussi, c'est la répartition des points d'expérience. On peut monter jusqu'au niveau 90 dans le jeu, mais j'ai l'impression qu'à partir d'un certain palier, voilà, quand on fait des failles supérieures, on ne prend plus forcément l'expérience de la même manière, ce qui fait que pour passer au niveau 90, ça va prendre énormément de temps. Et je pense clairement que voilà, on pourrait diminuer un petit peu ce temps pour nous permettre d'être niveau 90 et de nous permettre d'obtenir de l'équipement d'une autre manière qu'en montant de level de cette façon-là. Parce que pour moi, c'est vraiment augmenter la durée de vie artificiellement et ça n'a pas vraiment de sens. Et je trouve pas ça vraiment super cool, quoi. Alors au niveau aussi des compétences, ben, y en a clairement qui sont manchitées dans mon jeu, hein. J'ai vu pas mal de vidéos de joueurs qui ont déjà atteint le niveau maximum parce que voilà, y a pas mal de choses qui n'ont pas été assez testées en tout cas, et voilà, c'est aussi un défaut du jeu. Alors voilà, j'en ai terminé pour cette petite vidéo, hein. Donc que dire de Wolsen, ben, moi c'est un jeu que je trouve vraiment sympathique. Malheureusement, ce n'est pas vraiment le hack and slash, en tout cas pour le moment que j'attendais. Moi, il y a beaucoup trop de bugs, beaucoup trop de défauts. Mais malgré tout, je dirais que pour le prix, on n'est quand même pas volé. On peut quand même bien s'amuser. Moi, je me suis beaucoup amusé dans le mode histoire et aussi dans le endgame. Donc voilà, je ne regrette pas mon achat, clairement. Contrairement, par exemple, à un Chaos Bane qui était beaucoup plus mauvais à ce niveau-là, dans tous les points de vue. Mais voilà. C'est pas suffisant pour un moment pour rivaliser vraiment avec les ténors des hack and slash, que sont Path of Exile, Diablo ou encore Grim Dawn. Mais le jeu ne peut faire en tout cas que s'améliorer et je pense que d'ici quelques temps, si les développeurs vraiment mettent un gros coup dessus, pourraient vraiment rivaliser avec ces grosses licences parce que c'est un jeu qui est quand même bourré de qualité. Maintenant, voilà, ne pas oublier que Diablo 4 et Path of Exile sont vraiment en approche, hein, et sortiront à mon avis 2022, voire 2023. Donc ça laisse encore un petit peu de temps à Wolsen, mais il ne faut pas qu'il traîne parce que clairement la place au niveau des hack and slash risque d'être vite pris. La première place en tout cas par ces deux ténors. Voilà, en tout cas j'espère que cette petite vidéo à vie vous aura plu, hein. Vous pouvez laisser un petit commentaire, un petit like, me dire ce que vous avez pensé aussi de Wolsen, et je vous dis à très bientôt, et n'oubliez pas, jetez le jeu, jouez à max, éclatez-vous surtout, et à bientôt.